en 16e. On a passé plein de tours, effectivement, on n'a pas eu de difficultés au tirage sur des équipes de même niveau, de niveau supérieur. Mais encore une fois, vous devez être fier d'être là. Parce que la fierté que vous devez avoir, c'est de n'être jamais tombé face à plus bas que nous. On a été en galère, dans des contextes de match compliqués, dégueulasses à jouer. Vous avez toujours, toujours réagi. Si vous êtes là, ce n'est pas de la chance. Ceux qui disent qu'on a de la chance, ce n'est pas vrai. Vous savez que je déteste ce mot-là. Il n'y a pas de chance dans le football. Si vous êtes là, c'est que vous avez mérité d'être là. Et ce soir, on va faire autre chose. Ce soir, on a autre chose de prévu. On n'a pas la chance de... Non, on a le devoir de... Le devoir, c'est de s'imposer déjà dans les duels. Tout ce qui est duel, ils n'ont pas le droit, encore une fois, je vous le dis, ils n'ont pas le droit d'avoir plus de 20 points. Impossible. Ne les voyez pas comme une équipe de Ligue 1, 2, 3, oubliez tout ça. Voyez 11 bonhommes qui vont être en face de vous ce soir. 11 bonhommes, on s'en fout où ils jouent, on s'en fout. Ce sont des hommes, des êtres humains. Et l'être humain a des failles. Il faut les faire douter, psychologiquement. Il faut leur rentrer dedans, être à 2, à 3 autour du porteur quand ça rentre dans le bloc. Il faut les faire douter quand on va exploser, quand on va récupérer les ballons. Ça va les faire douter. Il va falloir faire des courses de sacrifice défensivement. Il va falloir communiquer. Ça va les faire douter. Premier repère. S'il n'y a pas ça, match plié. Ce qui vous emmène à l'étage supérieur. Hein. Fraternité. Hein. Aujourd'hui, staff, dirigeant, président, joueur, entre vous, les titulaires, ceux qui vont rentrer, c'est ça. Hein. S'il n'y a pas ça qui se dégage entre vous, les mecs qui sont sur le banc, qui sont là pour les titulaires, et que quand ils vont rentrer, ils vont se dire « je vais faire mieux que celui que je remplace », ça ne marche pas non plus. La Coupe de France, c'est ça. La Coupe de France, c'est l'équipe qui en veut le plus, qui passe souvent. Et après, c'est tout ce que Val a fait. C'est la concentration tactique avec et sans ballon. Donc là, on doit voir des choses, on doit sentir des choses. Il n'y a pas de ça, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ça. Autre chose, je vous le dis, croire, c'est un défaut, c'est un sacrilège de croire en vous, individuellement, de croire en vous, collectivement, que nous, on croit en vous. Certains l'ont fait, je l'ai fait. C'est possible. Le devoir de continuer de rêver, c'est pas une finalité aujourd'hui. On a galéré pour avoir ça, pour avoir une Ligue 1. On l'a, mais on se dit pas c'est la fin. On se dit pas je suis arrivé à ce que je voulais, non. On se dit qu'on peut créer l'exploit, qu'on veut aller là-haut, que c'est possible, qu'avec tout ça, on va y arriver. Gagner le respect, le devoir de gagner le respect. Le respect pour vous-même, pour ceux qui sont passés pas loin du professionnalisme, tous ceux qui sont passés pas loin d'un 8e de finale un jour, tous ceux qui sont passés pas loin de faire un exploit monumental. Le respect pour vous-même. Et c'est en lien avec la trace au-dessus là. Le devoir d'essayer une trace, pas vous messieurs, pour plus tard. Pour maintenant, s'il y a exploit tout à l'heure pour vous, cette fierté, cet ego, laissez une trace de votre parcours de footballeur. Moi, j'ai sorti une Ligue 1, moi je suis allé en 8e. Laissez une trace dans la vie. Laissez une trace de votre bonté, de votre gentillesse, d'une action. Là, on parle de foot. Laissez une trace. Donnez-vous cette opportunité-là. Qu'à la fin, tout à l'heure, vers 19h30, 20h, vous n'avez rien à vous projeter. Et c'est tout ça que vous allez faire. Et je ne sais pas pourquoi, je vous dis, je le sens. On va le faire. Allez, bonne prépa. C'est un match à prendre du plaisir, les gars, extrêmement de plaisir. Hein. Avant tout, les gars, la vie de manière, avant tout, prenez du plaisir. Donnez-vous à fond, donnez le meilleur de vous-même. Donnez tout. Pas de donnez le meilleur, comme on a dit, on meilleur pas de vous-même.
c'est la première fois finalement que Trélissac joue face à une équipe qui est d'une division supérieure. C'est parti pour ce 16e de finale de Coupe de France. En train de les manger, surtout, encore une fois, continuez de les manger et mangez-les encore plus offensivement. On n'aura pas beaucoup de coups francs, on n'aura pas beaucoup de coups francs excentrés, on n'aura pas beaucoup de corners. C'est une arme, je vous l'ai dit, c'est une arme. Même si on en a peu, ça va bien se passer. Pareil, détermination, je prends le temps, je souffle, je suis fatigué, je prends le temps pour faire mon corner. Si vous voulez qu'on gagne, ça va être important. Le bon choix, le bon geste technique sur le corner, sur le coup franc, le bon geste technique pour mettre la dernière passe et le bon geste technique pour la glisser. Elle va y aller. On va en avoir. On va en avoir une. Rappelez-vous ce que je vous dis, ça c'est fort. Rappelez-vous, racontez-vous une histoire. Ayez ça dans votre tête. C'est maintenant. Vous êtes en train tout doucement, en train de construire ça. Tout doucement, ça se construit. Par contre, deuxième mi-temps, encore plus fort. Encore meilleur. Si on est encore meilleur, le mental, il va être pour nous. Dites de rien. Je vous ai dit non. On voit rien, ce sont des hommes. Que des hommes. Aujourd'hui, on est plus fort qu'eux. On doit être plus fort qu'eux mentalement. Et en plus, vous êtes des bons footballeurs. Ça va y aller. Ça va passer. Aucun doute. Pensez tous ces devoirs qu'on a. On a un devoir. On a un devoir personnel. On a un devoir collectif. Ça n'arrivera pas demain, dans 10 ans. Une carrière de footballeur, c'est court. C'est trop court. Profitez. Mais profitez pas pour se satisfaire qu'on a fait un bon match. On va profiter, on va se qualifier. Ok ? Allez ! Mais Trélissac encore une fois, dangereux, ça va passer juste à côté, la tentative de Dorian Samba qui va frôler le but de Grégoire Couder. C'est l'occasion la plus dangereuse de cette partie, elle est en faveur de Trélissac. Jérémy Grand pour son premier ballon, il vient juste d'entrer, c'est lui qui va frapper ce corner, un petit peu à froid, c'est vers le second poteau, et la voilà, l'ouverture du score énorme, le but de Benoît Pisson, ça vient les récompenser parce qu'ils font une excellente seconde période, ils ont fait un super match depuis le début, les joueurs de Trélissac, la défense brestoise, encore une fois en difficulté, cette fois-ci, le tir de Benoît Pisson qui vient tromper Grégoire Couder. Ce n'est que justice, ce n'est que mérité vraiment pour les joueurs de National 2 qui mènent 1-0.